camarades. Alors je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu quelques appels des maîtres, des maîtresses qui me disaient Captain Parade, c'est bien, les petits, ils travaillent bien, ils sont bien chez eux, ils sont confinés, ils travaillent bien, mais ils jouent quand même beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo et ça leur ramollit le cerveau. Leur cerveau c'est comme du chewing-gum. Oh, j'ai dit, bougez pas, j'ai une idée, on va leur faire une vidéo qui explique le rock'n'roll, une sorte de tuto comme disent les jeunes. Alors pour faire du bon rock'n'roll à votre avis, qu'est-ce qu'il faut les amis? Eh ben, il faut déjà avoir le style, le méga style. Regardez un petit peu comme je suis sapé. J'ai une ceinture qui brille dans le noir, j'ai un bon t-shirt, une veste à la classe, un pantalon qui me moule, des chaussons de rock'n'roll, tac, on appelle ça des Santiago. Alors avec ça, j'ai la classe, je peux mettre un petit peu les cheveux en l'air. Après, j'ai investi dans du super matériel, des amplis, regardez, plein d'amplis, des guitares et tout et tout. Ça, bon bah ça c'est cool hein, pour faire un groupe de rock, c'est déjà vachement bien. Mais on peut pas faire un groupe de rock tout seul, ben non. Mais ce serait comme jouer au foot tout seul toute la journée, au bout d'un moment on en a marre. Bon alors il faut des copains. Mais sauf que en ce moment c'est le confinement, le confinage total. Alors bon, moi d'habitude je joue avec un batteur qui joue de la batterie. Alors il est assis comme ça, il est... Bon là il n'est pas là, il est confiné, il est à Poitiers, Mister Matt, il est à Poitiers. Mais vous inquiétez pas, j'ai les moyens de jouer sans lui parce que j'ai enregistré une batterie, regardez. Bon, on peut faire ça chez soi, on prend des cuillères, des casseroles, on tape partout sur les murs, sur les casseroles, aïe aïe aïe, ça fait comme... un petit peu mal aux oreilles. Donc vous avez compris ce que c'était un batteur. C'est la première étape pour faire du rock'n'roll. Parce que ça donne le rythme, ça donne envie de bouger son popotin. Deuxième étape, très très importante. Il faut cet instrument qui s'appelle une guitare. Ah, qui c'est qui l'a dit? C'est génial, il y a des voix. C'est le dieu du rock'n'roll peut-être. Alors, une guitare, et ben, c'est composé de... 6 cordes, voilà, merci de me donner la réponse. Alors, des cordes aiguës, des cordes graves. Et si on met les mains dessus et qu'on fait un accord, ça devient joli. Alors par exemple, nous avec les copains dans Captain Parade, avec Julian et Mr. Matt, on a inventé le morceau I love you, I love you, I love you very beaucoup. C'est un morceau qui dit notre amour du rock'n'roll. Alors écoutez cette mélodie. Et je vais mettre la batterie par-dessus, ça va être incroyable. Et puis maintenant, je l'ai enregistré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Ben ça fait déjà un morceau. Mais il manque quelque chose, presque le plus important. Je dis presque et encore, je pèse mes mots. Parce que peut-être que le plus important dans un groupe de rock'n'roll, ce serait cet instrument. C'est une guitare aussi, ça fait partie de la famille des guitares, mais elle est un peu spéciale. C'est une guitare qui fait un son de basse, on appelle ça une basse. Alors je vais vous faire écouter, regardez, c'est beaucoup plus aigu qu'une guitare. Bon. C'est la même note, mais c'est plus grave. C'est beaucoup plus costaud aussi. Regardez, et par exemple, moi j'ai toujours une technique vachement bien que je fais quand on joue sur scène, c'est que je mets de la distorsion. Qu'est-ce que c'est avec cet instrument? Une pédale de distorsion, ça met un son plus fort et plus distordu. Alors on a l'air beaucoup plus costaud, oui. Et puis ça donne vachement plus d'énergie. C'est comme quand on chante, allez, si on chante... I love you, I love you, I love you very beaucoup. I kiss you, I kiss you, I kiss you sur la joue. Bah là on chante une comptine. Par contre si on met de la disto dans sa voix, on fait comme ça. I love you, I love you, I love you very beaucoup. I kiss you, I kiss you, I kiss you sur la joue. Mais on peut aussi chanter très aigu en rock'n'roll. Parce que là, je vous ai fait la voix de Kurt Cobain. Vous connaissez tous Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Il chante avec une voix très aérienne comme ça. Mais il y a des chanteurs qui chantent Freddie Mercury, vous savez, celui qui chantait dans Queen. Ah, vachement bien. Attendez, je suis en train de m'égarer. Donc, la leçon de rock'n'roll. Ah oui, donc, on a dit qu'il faut au minimum être 3. Après, on peut être plus, on peut rajouter du clavier, hein, si on est plus. Mais quand même, le mieux, c'est d'être entre copains, hein, et voilà, d'être minimum 3. Alors, je vais vous montrer comment
on a fait notre morceau I Love You Very Goku. Déjà, ça commence batterie, obligé. Après, qu'est-ce qu'il faut? Solo de basse, on y va. Alors on bouge, on n'hésite pas. Les nibbles. Moi je suis un malin pour épater mes copains. Je fais l'américain et chante ce refrain. Oui, je suis un coquin pour avoir des câlins. Je chante les comptines pour embrasser mes copines. Moi je suis un filou pour avoir des bisous. Je fais le joli cœur, ouais, je fais le crâne. Oui, je suis un voyou pour avoir des bisous. Je n'en fais qu'à ma tête et chante à tue-tête. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, I love you, I love you, I love you, baby, coco, I kiss you, I kiss you, I kiss you, so I love you, I love you, I love you, I love you, baby, coco, I kiss you, I kiss you, I kiss you dans le cou, I love you, I love you, I love you, baby, coco, kiss you, I kiss you, I kiss you, so I love you, I love you, I love you, I love you, baby, coco, I kiss you, I kiss you, I kiss you dans le cou. On peut faire aussi autre chose, c'est qu'on peut transformer les paroles. Vous avez vu, là je chantais en anglais, parce que c'est un peu la langue du rock'n'roll, mais en fait on peut faire ce qu'on veut. On peut le chanter en espagnol, on essaie. Te quiero, te quiero, te quiero, baby, mucho, un beso, un beso, un beso con la mano. Te quiero, te quiero, te quiero, baby, mucho, un beso, un beso, un beso con la mano. Attends, et on pourrait aussi le faire en allemand. Attends, j'essaye. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, baby, beaucoup. Oh, c'est vachement dur en allemand, on va faire autre chose. En français, tiens. Attends, comment il y a des chansons que je me rappelle? J'y vais. Que je t'aime, vraiment beaucoup. Que je t'aime, comme disait Johnny. Que je t'aime, comme Johnny Hallyday. Que je t'aime, comme Johnny Hallyday. Oula, ça pue du tout, je suis en train de chanter Johnny Hallyday. Non, faut arrêter. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on est obligé de chanter Johnny Hallyday. Bon, bref, j'espère que cette vidéo, même si elle vous a rien appris, et ben, oula, je suis en train de tout péter. Oula, allez, arrêtez, oula. J'espère que cette vidéo, et ben, vous aura amusé, les parents, comme les enfants, et que vous passez quand même, que vous arrivez à passer le confinement bien solidaire. Bon, si vous savez pas ce que ça veut dire solidaire, faut demander aux parents. Je vous embrasse bien fort. A bientôt. Ah oui, j'ai oublié un truc, oui, j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez écouter l'album de Captain Parade, je l'ai mis en téléchargement, enfin en écoute gratuite, pardon. Voilà, sur le lien, on vous mettra le lien. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi aller sur YouTube, regarder des vidéos de live, là on est au complet, l'équipe de football de rock'n'roll au complet. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez regarder des clips, parce qu'on a fait des super clips, enfin tout ça pour vous amuser. Voilà, je vous donne plein d'énergie en cette période un petit peu difficile, mais vous allez voir. Quand tout ça va être arrêté, on va tous se retrouver dans les salles de concert. Et là, batterie, wouh, et ben ça va gigoter dans tous les sens.